trouve qu'il y a une bonne ambiance. Bon, bah, bienvenue chez Béné. Bienvenue chez Béné. Béné, Béné. Béné, Béné. Ah ouais. Bon, c'était la journée, Pierrot, c'est comment? Ça dit quoi de bon? Par contre, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Ah ouais? Elle aurait été un peu grande pour toi, quand même. Je pense que... Elle doit faire un bond de 1m30? Non. Vas-y, 1,80. 1,80, c'est grand, hein? Ah, pour plein de gens, 1,80, c'est grand. Ok. Ah, tchoum! Par contre, voilà, je trouve que l'ambiance, elle y est, quoi. Je vais bien mettre mes écouteurs, voilà. Par contre, voilà, l'ambiance y est. Là, merci beaucoup. Mais parce qu'on est dans ton esprit, fillette. T'as pas compris encore. C'est bon, ça. Ça va être génial. Après, je pense qu'ils auraient dû faire un jeu à part entière, je pense, hein. Vraiment, je pense qu'ils auraient dû faire un jeu à part entière. Parce que je pense que c'est peut-être un peu trop court pour un DLC. Parce que ça dure vraiment pas hyper longtemps. Je pense qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus conséquent. Voilà. Un DLC un peu plus conséquent quand même. Parce que voilà quoi. 2h30, 3h, bon, c'est un peu léger quand même pour la suite de l'histoire. Sachant qu'en voyant la fin du 8, on se dit quand même, bon, là, il doit rester un sacré morceau. Mais bon. Mais d'après justement, les rumeurs, on n'en apprend pas tant que ça. Donc est-ce qu'il vaut son prix? Pour l'instant, ça va. Mais pour 2-3 heures, voilà. Après, si le jeu il fait 2h30, c'est la moitié de RE8. Enfin, RE8, non. C'est un quart. C'est un quart de RE8, 20 balles. Bon, bah, 20 balles, un quart, tu vois. Quand t'as les 4, ça fait 80. Est-ce qu'ils ont été vraiment, vraiment des voleurs? Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est une très bonne. Le casier encombré, la faute dans l'étagère. J'aime bien les petites énigmes comme ça. Franchement. Enfin, j'aime bien, moi. Hein. Par contre, c'est un peu lent, ça, quand même. Par contre, c'est long, hein. Oh là là! Non, t'inquiète. 44, 466. Aussi. 99, 66, on n'est pas loin. Voilà. Merci beaucoup pour le code. Je te remercie de ce coup de main. Ça m'a pas. Là, j'ai pas briqué. Hier, j'ai dit quand j'ai briqué, quand même. Hier, j'ai dit quand j'ai briqué. Mais là, j'ai pas briqué, là. C'est pas encore. Génial. Logique. Exactement. Eh oui. Eh oui, les énigmes. Ça sent le loot. Non, ça sent. Ah, je suis déçu là. Je pensais trouver grave des objets et tout. Personne pour mettre en scénario, les gars. Ça commence là-bas. Ok. Ok. T'étais pas là tout à l'heure. C'est juste ça que je voulais dire. Tiendra peut-être le cristal en poupée, ça veut dire alors. Récupère tout au fur et à mesure pour finir le truc. Ok. C'est glauque, hein. Et on est 6, bah bienvenue à tous les 6. C'est glauque de ouf, hein. Ah, y en a, hein. Oh, en plus, t'as pas tes armes. C'est bresson, hein. Même pas de pouvoir, rien. Très très glauque, hein. Très très glauque. J'aime bien l'ambiance un peu pesante, un peu comme ça, là. Et là, en sortant, y'a une petite dinguerie. Normal. Ah ouais, bah, je savais. C'était sûr, y allait ouvrir une dinguerie en sortant. Voilà, évident. Ok, 3. Là-bas, ils étaient 3. Même bien écrit, je trouve. Ça va, on se débrouille. Je suis bête. Je suis bad bête, hein. C'est important, on y va. Franchement, j'ai briqué. Franchement, j'ai briqué. J'ai briqué. Je l'ai pas montré, mais j'ai briqué. J'ai briqué, j'ai briqué. Franchement, j'avoue, j'ai briqué. Oui. Mais bon, j'ai. Bah. Ah ouais. Who are you? Ok, poupée. Ah, je pensais croiser la poupée plus que ça, en vrai. Ah bah, comme par hasard, elle s'est ouverte. C'est bien ça, comme ça permet de. La porte qui s'ouvre. Ah, c'est stylé, genre elle se déplace pendant que tu la regardes pas. Et pour la garder à distance, pour qu'elle touche, je pense qu'il faut que tu la gardes dans ton angle de vue. Genre si je me tourne un tout petit peu, genre si je fais ça. MDR! C'est carré! Toi, tu penses que tu vas me piéger, toi. Vous là que non. Vous là que je vais looter tous les coins. Eh là, t'as triché! Je te regardais. Vous là, t'as triché. Ah, 1, 2, 3, soleil fort. Attends, c'est quoi, regarde. Mettre là. Eh, je kiffe ces déplacements. Franchement, c'est stylé. Franchement, j'aime bien. Je kiffe ces mouvements, ouais. Reste tranquille. Eh, ces mouvements, ils sont grave stylés. Ces mouvements, ils sont grave stylés. J'ai overkiffé, là. Ouais, puis elle va te poursuivre. Ah ouais, c'est carré. C'est grave stylé. J'avoue, j'ai briqué, là. J'avoue, j'ai briqué, là. Fouh! J'ai un petit sursaut de. Ça va pas sortir. Tranquille. De... Je dirais que tu meurs d'envie de me faire un câlin. Starfall là, elles sont deux. Même, je crois qu'elles sont deux en fait. Ah ouais, elles sont bas de deux, hein, je crois. Hein, parce que l'autre est plus que deux même. Ah ouais. Ça se passe comme ça. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Vous êtes trop, wesh. Plus que deux. Hein. Ah ouais, on se casse, frérot. Là, c'est quoi ces poupées de l'enfer là?
Là, cette partie-là, elle est vraiment bien. Moi, j'aimerais bien savoir. Oh, c'est joli ça. Ça, c'est lourd ça. Voilà le genre de d'horreur dont on a envie. L'horreur psychologique comme ça. Le truc qui bouge, mais tu sais pas si vraiment il bouge. Et encore là, j'aurais aimé que les poupées elles fassent un peu moins de bruit quand même. Annabelle. Ah, j'ai jamais vu le film Annabelle en plus. J'ai jamais vu le film. Mais ah ouais. Non, là, j'ai bien kiffé comment ils ont fait le truc. Ah ouais. C'est vraiment un très bon délire. Ok. Voilà. Joue à cache-cache, arriveras-tu à passer sans queue. Joue à cache-cache, arriveras-tu à passer sans queue. Inch'Allah. C'est parti. Donc, des fois, à part aller. D'accord, okay. Donc là on passe vraiment dans un casino. Et puis le son un peu enfantin là, genre en mode. C'est un peu enfantin, mais en même temps c'est agua. C'est angoissant, genre. Je suis trop loin. Je suis genre trop petit. On va essayer de. On peut pas trop se défendre. Hein. Et puis je trouve que sa course elle est vraiment molle quoi. Je comprends pas alors. Bah non, j'étais au bon endroit en fait. J'étais juste un peu trop loin. Ah, ça c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Il est compris. J'aurais dû me cacher. Allez. Allez, Rose. Allez, Rose. Allez, Rose. Tu peux le faire. Allez, Rosie. Mon cœur bat vite. Je vais tout péter. Rose, calme ton cœur. Ça va bien se passer. Bon, pour l'instant, ça va. On gère. C'est pas ouf, hein, ça. Attends, reste à couvert. Respire un petit peu. Voilà. Tranquille. Faut que je me rapproche de. Oh. Vous avez perdu votre âme. On recommence. Bon. Là, on est en plein MGS. Là, on est en infiltration sale. Détourne leur attention. Alors. Oh, t'abuses. T'as vu ma semelle, wesh. T'abuses. Or. Or. Allez, on y va, c'est la survie. On dirait un peu Little Nightmare, je trouve. Okay. Ah ouais, là c'est la survie, là. Là c'est la survie, pour de vrai. Ah, je pouvais les détruire depuis le départ. Okay. On va y arriver. Y'a pas de problème. Oh, je savais pas ça. Yogo Nono, salut, merci pour le lurk. Oh, bah ouais, bah là pour. Attends, je t'ai couché toi. Oh. Oh. Pas couché toi. Faut vous coucher les filles. Hein. Faut vous coucher les filles, hein. Ça suffit là. Ah ouais. Oh. Arrête! Genre, tu m'as vu. Ah oui, j'ai pas utilisé la plante. Je suis bête. My bad, my bad, my bad. My bad, voilà. Que. Vous m'aimez trop, wesh. Vous m'aimez trop, les filles. Faut vous coucher un moment, hein. Ça suffit, hein. L'impression, plus on avance et plus elle est petite. J'ai déjà été là. C'est quoi, je me suis perdu? C'est quoi, je me suis du père en fait? C'est moi, je me suis perdu. Oh. Elle est où la chambre? Yo! Comment ça va, frérot? La pêche? Tranquille? Écoute, on est là, tranquille, hein, tu connais, hein? Pépère. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Au calme. Aïe, si, si. Oh, toi aussi! Mets-toi à couvert, doudou. Ah, t'as vu, ils l'ont fait assez psych et tout, tu vois, c'est pas mal.
Finalement, je trouve qu'ils ont bien géré ce petit côté-là. Ouais, parce que là, c'est le... C'est le RE Village. Bah, tu sais quoi, on va remonter, hein. Ok. Genre. Oh. Vas-y, crève. Ah, j'aurais pu la tuer, hein. J'aurais dû la tuer. J'aurais dû la tuer. Ah, mais je trouve que l'ambiance de celui-là est vraiment pas mal, tu vois. Et puis, je trouve qu'ils ont bien regéré la troisième personne aussi. Ça c'est cool, en vrai, tu vois. Que voilà. C'est assez cool, en vrai. En plus, là, t'as pas d'armes. T'as pas d'armes, t'as pas de munitions. T'as que dalle. Là, t'as juste la survie pour toi, là. De ouf. Bien vu pour le level up. Merci pour les lurks. On n'est pas 7000, on n'est pas 700, on n'est pas 70, mais les 7 qui sont là, cette attention est très appréciable, n'est-ce pas? On l'adore. Je monte sur le bureau, hein. Et où est-ce que... On est quoi en plein? Ouais, et là, il y a rien à... Par contre, ce gigantisme, il est... Mais, du coup, je pense qu'il y a un passage, un truc comme ça. Et y'a... J'ai pas compris, là. Tous les objets, en fait, j'ai déjà tout retourné. Ah, tu vas venir juste ici! Oh, tu es au champ, toi, même! N'importe quoi. Deux fois le tour des pièces, là, il y a sûrement un élément que j'ai raté. Mais je pense qu'il y a un délire avec... avec la statue, là. Moi, je pense qu'il y a un délire avec... avec la grande poupée, là. Enfin, je vais me faire repérer et je vais voir ça. Maman! Ok. Oh, le bruit des sang. Oh, là, on entend le bruit du sang, des trucs brisés, là. Alors, je comprends pas. Ok. Et là, le plan, il est pas hyper précis en même temps, donc. Là, parce que ça va rien me rapporter, en fait, de... À part d'ouvrir la porte, en fait, je vois pas ce que ça va me rapporter de plus. Toi, par là. Voilà. Mais en fait, c'est juste ça, en fait. À part ouvrir la porte, ça va rien me rapporter. Il doit y avoir un délire avec la poupée, c'est obligé. Genre, elle est pas là pour rien, genre. Attends, ici, là, mais... Mais attends. Suis-je bête? C'est pas à ça que ça servirait, en vrai? Ben oui, c'est ça. Oh là là, suis-je bête? Mais suis-je bête? Mais vraiment. Tu peux te casser, s'il te plaît? Merci beaucoup, parce que ça va faire 30 minutes que je cherche pour rien. Allez! Je cherche pour rien. C'était juste là. Sous mes yeux. Ah bon? Son père, il a des pouvoirs? Ah bon? Ah bon? On va ouvrir la porte. Eh! Perquise à 6h du mat! Allez, tire-toi, parce que ça va être la course-poursuite, là. Ah ouais, stylé. Franchement, il aurait manqué quelques ennemis à détruire avec ses pouvoirs ou genre fusil à pompe. Ça aurait été nickel. Ah, c'est... Ah ouais, c'est très pesant comme ambiance, hein. Ok. Eh, je suis sûr. C'est très Ok. Or, chez toi. Or, de barre de rire. Attends, laisse-moi la découvrir 2h56. Ok. La machine. Bah, je pense bien, hein. Je pense bien, ma grande, que tu l'as déjà entendu. Je pense bien, toi pourras manger. D'ailleurs, j'en ai pour toi. Et pourtant, je voulais immortaliser ce moment. Et ce que je ressens. Alors, j'ai lui écrit une lettre. C'était un peu gnangnan. J'aurais un peu dessus. Alors, pour l'instant, je préférais la ranger dans le tiroir de la côte. Quant à la clé, je n'ai qu'à la mettre derrière ma photo. Par contre, les animations, c'est toujours pas ça. Hein. Mais franchement, le RE Engine, il fait le taf, hein. Il fait le taf de ouf, hein, parce que... Ah, c'est elle, MDR. Evelyne. Ah, c'est Evelyne. D'accord, ok. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Mais, Doudou, ouvre la porte. Oh. Non, je pense que c'est fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. Elles sont stylées, les morts. Maintenant, tu vas sombrer. J'étais la première. Evelyne, elle est fâchée. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que de toi que tu parles? À quoi boulevard, je te jure. C'est incroyable. Assez. Maintenant, ah là, j'en ai pas compris. J'étais la première. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Mais... Moi, je comprends pas. Assez. Maintenant, tu vas sombrer. Oui, mais je comprends pas pourquoi je meurs. La première. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que de toi que tu parles? Bah... Pourquoi je meurs? Je comprends pas. Assez.
Je maintenant, comprends pas. tu vas sombre. Jit, pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Avance. Oh. Assez. Maintenant, tu vas sombrer. Jit, la première. Pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? De quoi est-ce que tu parles? C'est bizarre. Assez. Maintenant, pourquoi je meurs? Tu vas sombrer. Jit, pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? Tu parles. Ouais. Là, je comprends pas pourquoi je meurs. Là, j'ai pas compris, là. Maintenant, ouais, peut-être, ouais. Je vais regarder. J'ai sorti la, première. Pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Je suis juste devant la porte, là. Assez. Maintenant, tu vas sombrer. Bah ouais, c'est chelou. J'ai la première. Pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Ouais, peut-être, ouais, y a moyen. Ouais, y a moyen, c'est ça. Peut-être qu'il faut que je la dégomme, ouais. De loin. Peut-être que je vais trop vite pour le scénar. Vas-y, je vais essayer de faire ça. Pourquoi est-ce qu'il ne que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Regarde-toi! Ah ouais? Tu vaux rien! Rien du tout! Putain, mais c'est quoi ton problème? Merci l'équipage. Il fallait faire demi-tour, le truc qui a aucun sens en fait. Il t'en faut toujours plus! C'est quoi cette histoire? Et où est-ce que tu vas? Je fuis, wesh. Gonflé. Que? Elles font flipper un peu pour de vrai, les marronnettes, hein. Elles ont un délire horrifique, je trouve. Elles ont vraiment un délire horrifique. Oh, maintenant j'ai compris. Maintenant, tu vas sombrer. Ah, même moi, franchement, j'aurais vu petit, j'aurais pu dormir. J'aurais pu dormir. De ouf. Pourquoi est-ce qu'il ne veut que de toi? De quoi est-ce que tu parles? Regarde-toi! Tu vaux rien! Rien du tout! Mais ouf, c'est hyper psychologique, putain, hein! Mais c'est quoi ton problème? Ah, faut que je recule fort! Suffit maintenant! Il t'en faut toujours plus! Ça va être plein d'amis! Mais t'es jamais content! Et où est-ce que tu vas? Regarde! Gonflé! Meurs! Meurs! Eh ben, dis donc! Merci pour le sub, frérot! Bien vu! 3 mois t'as pris en plus? On est pas encore à l'abri. Bien vu frérot, merci beaucoup. Feu! Feu! Ouais, genre là elle est énervée là. Feu! Eh, mais elle veut pas prendre mes guns tout ça? Ça c'est bon ça déjà ça. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de loot. Ça fait que... Voilà quoi. Exactement. Le badge de l'abonnance. Kioskero, yo. Obsédé par cette idiote de rose. T'es pas venu et c'est parfait. Va mourir ici. C'est n'importe quoi. Va-t'en. Spécial. Pour rien. C'est sans histoire. Déteste. Tu ne fous rien. Rien du tout. C'est que t'en fous. Sans amis. Remis les leçons pour dire coucou à tout le monde. Coaché d'ailleurs. Voilà. Salut Evelyne. T'as dit remis le son pour pouvoir dire coucou à tout le monde. Tu parlais de quoi? J'ai pas compris. Excuse-moi. Il a remis son son. Ah oui, d'accord. Ok. Oulala. Oh, j'avais pas compris. Ah oui, là j'étais loin là. Comment va? Bon, écoute, on est là. Ça me fait peur. Hein. Donc là, elle a croisé Ethan, là. Bon, on savait bien que Michael, c'était Ethan. Ah ouais, t'as joué combien de temps, là? C'était pas Michael, là, frérot, hein. Ce n'était pas Michael. De 13 à 14, et de 16 à maintenant. Ah ouais, t'as fait une grosse session. Eh ouais, Ethan Winters. Ah ouais, t'as fait une grosse session, hein. Eh ben, dis donc, t'as pas... Ah ouais, t'es à fond, là. Hein. T'as compris ou pas? On va trouver le Crystal West. 3h10. Je suis seul. Ah ouais, 3h. Ok. Ah, j'ai récupéré mes bails. Bon. Ok, donc là, on part dans le RE. Ah ouais, en plus, là, je suis full, je suis plein. Ça veut dire que c'est la guerre. C'est la guerre, là. C'est la méga guerre. Maman. C'est le village. Là, ouais. Là, ouais. Là, c'est bon, là. Bah, c'est pas exactement la même fin qu'avec. Ah non, c'est elle. Ok. Ouais, faut bien looter, hein.
Parce que là, ça ressemble au combat de boss ou ça. Nanani. On va pas chômer. Bah ouais, y'a que ça. Or. Ok. Mais le fait que pas de protection et pas de bouton pour frapper, ça me dérange un peu. Ça me fait plus tirer, mais bon. Voilà. C'est juste un petit truc qui me dérange, j'avoue. Que le côté un peu action avec Ethan. C'est pour ça qu'on attend RE4 Remake avec. Voilà. Ah, c'est des monstres. Putain, je suis con. C'est pas vraiment pareil, genre. Ok. Ouais, mais moi, je kiffe aussi, hein. Franchement. Là, je kiffe un peu plus l'ambiance que dans le 8 classique. Alors, pas l'ambiance du village, mais le... si la deuxième partie du 8 avait pu être comme ça, j'aurais kiffé. J'aurais pas kiffé. Bah, là, c'est la caverne où ça s'est cogné, là, non? Bah, si tu veux bien connaître le 8, il faut faire le 7. Comme ça, parce que le 7 et 8, c'est vraiment une continuité de ouf. Et je pense que c'est mieux pour capter tout le jazz un peu. Alors, mes 7 absorbent le seigneur de toute vie à sa portée, mais il y a des lois qui remontent intérieur. Il me semble utile de les noter au fur et à mesure qu'elles deviennent évidentes. Les souvenirs qui montent ne reflètent pas strictement la réalité, ok? Seules les personnes sensibles aux métamycètes de leur vivant conservent leurs facultés, ok? Cela rejoint ma compréhension du mégamycète. Telle qu'elle me l'a révélée à travers les visions que j'ai eues avant de mourir. Je suis morte, mon corps physique a disparu, absorbé dans le game 7, et pourtant je n'ai pas perdu espoir. Car ce destin m'a permis de découvrir des choses fascinantes. Toutes ces années passées à me battre n'ont pas été vaines. Les souvenirs, la conscience, la compréhension et les connaissances, tout ce que j'ai accumulé durant cette vie a pu être transféré ici dans le Megami 7, devenant ainsi ce pouvoir dans ce... Si je parviens à exploiter ce pouvoir, je pense être en mesure de m'immiscer dans les peaux et les souvenirs des autres. Bien sûr, les conditions sont loin d'être idéales. Avec tant d'esprit et de souvenirs à s'en trouver et récupérer une seule personne, c'est avéré immense. Les souvenirs sont ici, mais éparpillés, ce qui est peut-être la bonne enveloppe qui pourra les accueillir. Et bien sûr, je connais l'enveloppe parfaite, la seule vraie Rosemary Durst. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, dis donc, Rosie. Ouais, de ouf, hein. Bah, un peu. Ah ouais, là, ils sont en train de te blinder, là. Les 10 frérots, fais gaffe. Là, à mon avis, c'est la fin du DLC, là. Là, les amis, on doit être à la fin du DLC. Donc, je vais refaire un tour pour être sûr d'avoir tout looté, etc. Voilà. Mais franchement, c'est trop long à lire. Hop, histoire aussi. Genre, à la fin de leur première partie contre Salazar. Tu vois, hop. Je vois légèrement, mais je suis pas assez calé pour sur. Je te repense alors que j'avais mal aux yeux. Bon stream, bonne soirée à tous. Bah, merci beaucoup, Gonono, pour le lurk, la présence. Tu connais, hein. Big up, hein. Big up de ouf. Et ouais, j'ai pas une connaissance de ouf de RE4. C'est pour ça que j'ai pas tous les souvenirs de. Tu parles de la partie quand tu passes sur l'île, là, c'est ça, avec les autres zombies bizarres, là. Dieu noir qui vit en nous et nous abrite. Et tu vois, là, je kiffe vraiment l'ambiance, tu vois. Là, l'ambiance, elle est vraiment kiffante de ouf. La petite musique, là, tout ça. Et ça, on dirait les cristaux qu'on battait les autres ennemis dans R7. Le boss. Voilà, quand même. Ça pouvait pas se finir comme ça. Oh, Mère Miranda! Sérieux? Yo Miranda! Miranda! Or! Or! Ok! Mais je suis... Vous avez vu, on a même pas vu son visage! On a vu son menton et sa bouche! Je suis mort! Oh, c'est bon ça! Ah, une balle ça suffit! C'est bon ça! Par contre, ouais, courir, viser, shooter, bon, pas ouf, hein. Et tu vois vraiment pas son visage, c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu vois pas son visage. Oh là là. Cours, ma soeur. Et puis elle est molle et tout, ouais, toi, en fait, c'est ça que j'aime pas. On y est presque. De ma famille. Mais c'est abusé quand même. Non mais c'est incroyable. Balle en tête. Je te jure. Allez, ressens tes pouvoirs. Ah non, elle va casser le truc pour récupérer ses pouvoirs. Ah ouais, genre une fin un peu comme ça là. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Tu penses vraiment que tes pouvoirs suffiront à tenir tête? Oh là là, stylé! Pourquoi ce? Tu n'es qu'un os. Et même
À quoi est-ce que ça sert? Tu ne peux pas sauver. Vous êtes de deux mondes. C'est pourquoi... Ok. Que dis-tu de ça? Prépare-toi à pleurer des larmes. Ah mais par contre, le temps qu'elle range le gun, etc., c'est pas pratique, hein. Voyons les temps. Ce sera bientôt. Me voilà. Il n'y a pas de honte à abandonner. Ouais, mais j'arrive pas à... Offre-toi à moi. Balance-toi. Je peux retenir comment vous êtes pour les pouvoirs. Tu penses vraiment que tes pouvoirs suffisent à nous tenir tête au cœur? Oh, d'accord, ce sera bientôt. Pourquoi me combattre? Je ne laisserai pas faire. Balantette, on t'a dit. Tu comprends pas, Balantette? À quoi est-ce que ça sert? Tu ne peux pas, vous êtes de deux mondes. Ah, dommage. Balantette. Prépare-toi à pleurer des larmes. Me voilà. Bah, j'ai la chance. Il n'y a pas de honte. Offre-toi à moi. Pourquoi souffrir? Malentête. Que dis-tu de ça? C'est... Voyons les temps. Mais, malin. Ce sera bientôt. Pourquoi me prends? Tu n'as... Prépare-toi à pleurer des larmes. Me voilà. Il n'y a pas de honte à abandonner. Offre-toi à moi. Pourquoi souffrir? Que dis-tu de ça? Que? C'est... Voyons les temps. Plus près, enfin. Ce sera bientôt terminé. Pourquoi me... Tu n'as... Ah! Pour te vivre tel pouvoir. Il a été si bon. Mais tu es incroyable. Le jeu en balèche. Je changera peut-être la vie, ruiner ses plans. Allez, deviens. Viens, rejoins-moi. J'ai cultivé ce monde dans le méga pour ramener ma vie. Mais parmi tout, aucune n'avait le pouvoir de la régénérer. Oui. C'est pourquoi. Non, mais ça, c'est grave mal fait, ça. Tu es la seule qui puisse me la ramener. Quoi que je dois faire, j'atteins mon objectif. Oh, j'étais trop loin. Je vais te mettre. Ça a changé. Migote. Migote. Voyons les temps. C'est. Mais ça marche que quand ça veut, ça. Ah, ça marche que sur le côté, en fait. C'est... Ça, c'est dommage, ça. Me voilà. Ce sera bientôt terminé. Que dis-tu de ça? Ok. Pourquoi me... Mais j'appuie sur le bouton. Je comprends pas. Prépare-toi à pleurer des larmes. Ah, mais bouge, Rose, là! Tu persistes et tu tombes. Tu es bien la dame. Avec cette obstination qui brûle en toi, tu es l'enveloppe parfaite pour mon aimant. Il n'y a pas de honte à vous. Impossible. Je vais te montrer l'impossible. Viens là, impossible. Offre-toi à moi. Viens là maintenant, doudou. Allez, deviens. Quoi? Comment ça, ça marchera pas? Balance-toi, on a dit.
Fouillon balancette, 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 balancette. Et tu meurs pas, hein? Balancette, 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 balancette. Oh! Oh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'as aucune chance. Mon combat porte ses fruits. Ah ouais, j'allais bien quand même, tu meurs pas? Oh! Je t'extermine depuis tout à l'heure, tu restes la réveillée. C'est fort quand même! Rends-toi et donne-moi ta force! Ah, achevez Miranda, on va t'achever! C'est l'achevance! C'est l'achevance! Oui! Oui, on va t'achever! Oui, c'est terminé, doudou! C'est fini pour toi! Eh ben si! Si, si, si! Eh, mais c'est incroyable qu'on voit pas son visage! Mais ils vont faire ça jusqu'au bout! C'est incroyable! Mais que des plans où tu vois pas son visage! C'est un truc de fou quand même! Ils sont très très forts! Ils sont très très forts! Incroyable! Eh, c'est que des plans, tu vois pas sa tête, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Et franchement, le RE Engine, hein, je le dis encore, mais sur les visages, il se passe quelque chose. Les visages et les cheveux, franchement, il se passe quelque chose. Franchement, autant sur le reste, on peut discuter, même si c'est bien. Mais sur le visage et les yeux, ils ont un délire, ils arrivent à insuffler une émotion. C'est fort. C'était ça la fin du... Ok, donc ils ont remis la meuf. Ah, maintenant que t'as tes pouvoirs, c'est sûr. C'est obligatoire. Ok. DCZM. Hop, je vais mettre un petit son. Plutôt. Voilà, comme je veux pas qu'on m'enlève. Qu'on me prive. De ouf. De ouf. Franchement, c'est archi bien, je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Comment c'était amené, tout ça. Donc, je suis vraiment pas déçu. Là, je pense que je vais faire une petite vidéo test. Je pense que je vais l'écrire vite fait. Je vais l'enregistrer vite fait là. Vite fait, bien fait, comme ça je vais la balancer demain. Comme ça demain vous aurez sur YouTube, vous aurez tout le gameplay plus la vidéo du test. Voilà, au cas où. Complet sur le DLC. Après avoir à voir. Voilà, mais en tout cas, moi je suis pas déçu, c'est sûr. Un jeu un peu mou. En fait, ils ont une bonne idée, mais ça a été mal exploité. C'est un peu mou. Je trouve que... et je préfère des comparos avec The Last of Us, par exemple. Parce que là, c'est vraiment un peu mou, en fait, et c'est dommage. C'est dommage que ce soit mou, parce que ça enlève... ça enlève de l'intérêt. Un peu. En vrai. Ça enlève un tout petit peu d'intérêt, en fait. Parce que le fait que quand elle court, on sente pas qu'il y a de la vitesse. Le fait que quand on tire, on sent pas vraiment ce qui se passe. Ça fait que l'impression de gravité sur certains passages est moins beau et beaucoup moins immersif en fait. Donc voilà. Bah en fait, autant dans le village, ça participait vraiment au gameplay. Mais là, comme pour la fille, ils ont voulu faire un truc vraiment plus survival, tu vois. Beaucoup moins action et beaucoup plus survival. Et franchement, je salue l'effort parce que c'est plus ce genre de délire, enfin de délire là qu'on aimerait. Mais bon, voilà. Peut mieux faire sur certaines choses quand même. Je pense que ça pourrait être plus intéressant de... Ils auraient pu creuser vraiment. Ils auraient vraiment pu creuser. Vraiment. Et faire un DLC un peu plus fourni parce que bon, pour 20 balles, t'as la troisième personne sur le 8. Ok, donc c'est comme si t'avais un nouveau jeu. Là, avec un petit DLC, les bouts de mercenaires. Bon, ok. Mais je trouve ça moins... Voilà, ça respecte l'ADN, vrai. À moi, des moments, je trouve que vraiment l'horreur est plus intéressante dans certaines parties de celui-là que dans le village, parce que le village... Enfin, hormis dans le village, ouais, mais... Moi, j'aurais vraiment aimé une deuxième partie au lieu que ce soit Heisenberg, tout ça, voilà, un délire où il tombe dans le Megami 7 comme ça et voilà. Et la fin, c'est une fin un peu plus comme ça. J'aurais plus apprécié, je pense, le 8. Parce que là, je trouve que c'est vraiment un truc qui aurait dû être dans le 8. Vraiment. Après, oui, c'est dans le 8, mais c'est pas avec Ethan, quoi. En fait, c'est ça, je veux dire. Mais voilà. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai. Avec les DLC ou alors avec les packs, genre Connector ou... Voilà, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah moi, je suis plus friand de ce genre de choses pour les jeux que des DLC, donc... effectivement, on pourra beaucoup en discuter de ça, mais je sais que, bon... principalement, c'est plus ça qu'on attend. Parce que, vraiment, au niveau de l'ambiance, l'immersion, l'horreur, c'était là, hein. C'était là, hein. Franchement, l'immersion, l'horreur et tout, vraiment, c'était là, hein. C'était vraiment là. Mais, c'est... en fait, c'est peu pour qu'on apprécie. Si on a fait le 8 il n'y a pas longtemps, donc encore ça va. Mais voilà. Si. Si. Donc j'ai fini en 3h47. Okay. Je commence à m'y faire. Alors, il n'y a pas d'extra. Eh, stylé. Bon, voilà. Alors attends, j'ai pas tout lu, ok. Comme dans le cas sur PS2 où tu as des story modes avec des intervenants et l'histoire et ça apporte pas, ouais. Je suis grave d'accord. L'ambiance y est, c'est beau, glauque, mais parfois un peu plat. Bah ouais, c'est un peu plat en fait, je trouve que le rythme est pas totalement foulec en fait. Il est pas totalement foulec, mais vraiment, il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal. Ouais. Franchement, si genre je ferais des tests, je dirais que c'est un DLC moyen tiers, tu vois. Parce que c'est bien, ça va, mais c'est plat, en fait. Il se passe beaucoup de rien, en fait. Après, c'est cool, après, il y a un peu de rien. Et comme tu peux pas te défendre, donc t'as moins la tension, en fait, tu sais que tu dois juste te cacher. Donc finalement, t'as pas cette tension d'action ou pas d'action, tu vois, c'est vite décidé. Et on sait maintenant qu'il y a Michael, donc... mais bon, ça, je le savais, je pense que n'importe quelle personne qui aurait joué à RE8 aurait compris par rapport à la fin, tout ça, machin, donc... voilà, mais... Mais ouais. Moi, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de rien, en fait. Je pense que je vais dire ça pour présenter le jeu, il y a beaucoup de rien. Ça va être mon intro. Ouais, il y a beaucoup de rien. Voilà comment je résumerais RE8 Village, c'est qu'il y a beaucoup de rien, en fait, tu vois. C'est cool, mais il se passe rien, en fait. Et ça passe. Ah là là. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Cette fois-ci, on va se comporter correctement, être un bon streamer, aller lancer un raid, aller lancer un petit raid. On va regarder y a qui. Et en fonction des gens, on va regarder. Il y a Major Tanner, il y a Symphonia, il y a Onikama, il y a Beyuchi. Je sais pas si j'ai du follow par rapport à... ah bah, il y a Frérot qui est en train de faire justement Shadow of Rose. Voilà, Mr. B-Boy. Ouais, on va préparer un raid chez lui. On va faire un petit raid. On va faire un petit raid. Les amis, dire bonjour. Dire bonjour, s'installer. Hop. On va préparer un petit raid. On va aller chez Major Tanner. Alors juste, lui, il raid beaucoup chez les gens. Donc j'ai été sur son stream hier soir parce qu'il streamait Resident Evil 8 Village classique. Et du coup voilà, en tout cas je vous remercie à tous et à toutes, la Modorance, le frérot, les Lurk, Godono, la famille, vous savez déjà, je vous remercie beaucoup. En tout cas, on se retrouve là, je pense, on va essayer de reprendre un rythme de stream, parce que là, il y a des putains de jeux qui vont arriver. Là, j'ai pris un peu de retard dans mon planning, donc là, il va falloir qu'on fasse le taf. En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes, c'était cool. Je vous mets générique de fin, et partez pas, on va faire le raid. Let's go !